Alors, salut à tous. Ah, je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais j'ai pas eu le temps récemment. D'une part avec le Ghoul Terminator. D'une part avec le AV1. J'ai pas beaucoup le temps non plus. J'avais promis de faire des vidéos d'AV1. Mais c'est plus compliqué à faire parce que le problème c'est que ça met mes stratégies en place. Si par exemple un ami regarde le live, il saura direct quelle stratégie on va employer. Donc c'est pas évident, évident. Même si ben, on domine, on a toujours tous les villages de conquête. On a fait une super belle attaque hier. Dommage que j'avais pas streamé. On était passé 109, si je me rappelle, contre 60 gars qui rentraient au fur et à mesure. Puis ensuite, on a décidé d'attaquer Bonta avec cette même armée. Pendant que il y avait, je me rappelle plus très bien, 45 LGM, 30 DD Aiko, 30 des Ursa et on les a tous lapidés. J'aurais dû stream à ce moment-là. Je regrette beaucoup de ne pas avoir stream. C'est vraiment dommage. Enfin bref. J'espère que vous avez pas attendu trop longtemps. Que je vous ai pas trop manqué. Pour le moment je suis tout seul, mais ça devrait arriver. Mais bon, je sais pas, vu que je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Ah bah, il y a quelqu'un qui se ramène. Nordinamut. D'accord. Salutations, Nordinamut. Alors, comment ça va? Je présentais un peu les maps du coup Terminator, donc en speed. Je regarde si j'ai pas un client. Alors, voici la map A, là, j'arrive à cliquer. La map A du coup Terminator, qui rappelle le laboratoire du Nilesa. Parce que cette année, apparemment, toutes les maps sont du Free Ghost 3. Nous avons The Bambi ici. D'autres participants. Pas qui a D4 ici. À part The Bambi, il n'y a personne de D4. Ah, ça lag beaucoup sur serveur. Vraiment. Beaucoup. B. La map B. Qui rappelle la forge froide de Mistfield. Il file à retard cette missile. Mais bon, maintenant avec la nouvelle map, c'est easy. Togepi, hein. Sudo. Le titulaire Ghoul Terminator sur E4. Avec qui d'autre? Personne d'autre D4, hein, de participants, du Joel, Brumaire, Parle, Vivant. On a la map C qui rappelle le Silargue, mais les maps dehors, pas le transporteur. Faudrait que je joue à quelqu'un pour faire des défis sur la map juste pour voir comment se passent les placements.
Si les placements sont pas mauvais, justement. Vraiment des belles maps Frigost 3. Je trouve que Graphile sur Frigost 3 elles sont beaucoup mieux. Alors la map D. Qui rappelle la tannerie et Karat. On voit bien le cuir ici. C'est pour faire des soirées cuir moustache. Ouais, elles sont vraiment superbes, hein, les mains. Je suis vraiment d'accord avec toi. Dommage, j'ai pas l'armure d'Iron Man. Ah, nous avons un gars, le Summons. Ensuite, on a la map E. Ah, la SAG. Hein. Hop, voilà. La map E qui rappelle le Silar, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe dans. Tiens, et alors là. C'est le Silar que ça, ouais. Je me rappelle. Je pense que c'est le Silar dans le donjon. Bah, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Il n'y a pas de glace, donc c'est pas Mrs. Il n'y a pas de potion, truc d'alchimiste, c'est pas Nilesa. Et rien en cuir, donc c'est pas plus. Alors, ensuite la map F. Ah, une map compte à rebours avec des gens roses. On va l'appeler le club des roses. Ah, il y a un combat là en préparation. On va voir comment se passe. Ah non, ils ont coupé le spectateur en fait. Mais je ne peux rejoindre. Compte à rebours. Dans le château. Ouais. C'est dans le château. Hop, on sort. La map est vraiment petite. Il semblerait que la map soit vraiment petite. Alors, après la map F, on a la map G. La map G qui rappelle le Silarg avec toutes ces machines. Attends voir un petit peu ce qui se passe. Ah, on peut voir quelqu'un se battre. La map semble compliquée pour pouvoir focus quelqu'un, il faudra ruser. Et on a le tuto, c'est qu'on savait pas jouer à Dofus. Alors, après G, on a H. Ça charge. C'est bien, y a pas de fail, ils évitent les cases et tout. Ah, ça c'est à l'intérieur de la tour des clubsites du compte à rebours. Avec des animations. D'ailleurs, la salle d'avant, c'était pas le compteur. Mais avec moins de machines. Je sais pas. Ensuite, on a la I. La I. Qui rappelle le clim, un beau coffre qui brille, toujours pas l'armure d'Iron Man, dommage. Donc là, qu'on voit sur la map, donc on ne peut pas voir comment se passe la map, mais apparemment on a beaucoup de PO dans tous les cas.
Enfin, beaucoup de lignes de vue, je voulais dire. La map J. Je me perds un peu. Voilà. La map J, là. Il rappelle Mrs. Ah bah oui. C'était Mrs, je me rappelle maintenant. Apparemment une map très ouverte aussi. Je vois pas comment je me suis là. Bon, ensuite, K. La map K qui rappelle l'intérieur, enfin pas l'intérieur, l'extérieur du Nilesa, toutes ces plantes, ça avance, tout ça. Une map très fermée apparemment. Beaucoup de lignes de vue sont bouchées. Ça me fait penser à la salle du N avec ses quatre piliers, mais en beaucoup plus grand. La salle du N, c'est juste ça. Ensuite, la map L. La map L, voilà. Ça, c'est une zone entre les zones de... Je sais pas où. Ça doit être Mrs., je crois. Ouais. Ça, c'est dehors sur Mrs., les remparts sur Mrs. Et. En dernier, nous avons la map M qui... Voilà. La map du compte à rebours, je crois. On a vu, c'est une map Coliseum connue. Dommage qu'ils n'ont pas mis des éclairs pour... Peut-être qu'ils préparent une finale sur une map comme celle du boss du compte à rebours. Avec des éclairs et tout dans le ciel, c'est vraiment beau. J'espère qu'ils vont faire une finale comme ça. Ah, bah, il y a des éclairs. On peut en voir là. Mais j'espère qu'il y aura plus d'effets lors de la finale. Une belle map. Normalement, je devrais retransmettre sur ma chaîne pas mal de matchs. Vu que je suis remplaçant. Donc, Snyler va faire tous les matchs. Il a plus d'optimisation que moi. Et il joue mieux aussi. Donc, je devrais être libre pour faire les matchs, enfin pour commenter les matchs, pour les filmer et les retransmettre sur ma chaîne Twitch ou bien sur ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous abonner à ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube. Je prévois pas tout de suite faire un Twitter, un Facebook, mais. Ouais, je sais pas si ça marcherait de toute façon. Enfin bref. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et surtout, j'espère que ce sera un beau Ghoul Terminator cette année. Même s'il y a quelques problèmes sur les 4, mais ça devrait pas poser plus de problèmes que ça. Je pense pas qu'Hecate ira loin, je ne sais vraiment pas quel serveur gagnera cette année, même si Hecate a gagné l'année passée.
On verra, on saura tout plus tard. Enfin bref. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et surtout, bon repas à vous.